Moi, je t'ai prévenu, hein. Il est cousu? Ouais. Restez bien du côté de l'avion. Merci. Bonjour, bonjour Guillaume. Au moins, il y en a eu un. Au moins. Bien, voilà le stamp. Et voilà le stamp. Voilà mon avis. Au début, c'était ça. C'était super. Il y avait une bonne position. Il sort toujours aussi mal. Hein hein, alors, t'avais aussi mal. Chalam, il était là. Ouais. J'ai ressorti il y a deux ans. Un voyant. Regardez le terrain. Un voyant. Et... Oh, c'est bon, il part. Ça sent un lit suspendu. Et c'est le capitaine, ça se faisait de nuit, moi, je pas fait. Il va commencer, il va demander. Donc,
marqué que Torah Bay est fermé. À quelle distance on va sauter? Pour le large. Hein, on va sauter au cap 270, donc on croisera un peu la piste et on sautera juste après qu'on ait passé le... Il y a du vent là. Il y a un peu d'air, donc moi ce que je te conseille c'est de commencer à te mettre en place, passer la verticale. Je m'arrangerai pour que j'aille juste là vers le hangar blanc. D'accord, Monique. Le hangar là-bas. Ouais. Et là, tu prépares un bout de terrain, deuxième moitié de terrain, tu prépares. Alors attendez que le stamp ait décollé alors. Ah, il y en a un troisième qui se pointe. Et non, il y a du monde dans le... Qu'est-ce qu'il fait le fil? Où est-ce qu'il va se mettre lui? Il va faire une remise de gaz de quel côté parce qu'il a une voile verticale. Thank you.